commencer à prendre le matériel, à se diriger sur au bord de l'eau. Il y a la digue, il y a les épis rocheux. Pour ceux qui le souhaitent, ils peuvent remonter sur l'école de voile le long de l'Orbe. Donc voilà, l'important c'est de prendre du plaisir et se régaler. Passer à l'action, montrer l'exemple, utiliser les réseaux sociaux. On va trier et on va rendre cette plage propre. Qu'est-ce qui s'est passé une quinzaine de jours là août? On a les inondations et donc beaucoup de pluie dans les hauts cantons. Et on le sait, le circuit de l'eau, les ruisseaux se remplissent, les rivières et ensuite tous les déchets qui sont dans la nature au bord des routes se retrouvent en mer, les vagues les ramènent. C'est souvent après un coup de mer ou c'est... Souvent après un coup de mer, ouais bien sûr. Et ça se... voilà, dès que vous avez une bosse là, tiens voilà, vous grattez, vous trouvez... Voilà, il y a du plastique, de la ficelle... Et ça, voilà, les lingettes, je pense. Voilà. C'est la démonstration de la formation de la dune dont nous attendons. Oui, voilà, derrière, pareil, que je pense que c'est la même chose. Regardez, voilà. Voilà, dès que vous avez une petite bosse. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est le résultat de siècles de, je dirais, pas de mépris, mais on va dire, on pense à nous, à notre confort, à nos plaisirs, à ci, à là. Et on oublie le côté nature dont on fait partie. On fait partie de l'écosystème, on fait partie de ça. L'être humain en fait partie. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il faut éduquer, rééduquer, sans être prétentieux, hein, on n'a pas la vocation de faire la morale à qui que ce soit. Mais par exemple, pour se concentrer à ce que nous faisons ici, C'est-à-dire, je vais profiter de la plage, je vais prendre du plaisir dans la nature et tout en la respectant. On a de tout. Alors voilà, les lingettes, elles sont, vous voyez comme on les trouve hein. On invite les gens à participer à des actions éco-citoyennes. Et on essaye d'être l'association qui a un juste milieu, ne pas trop en faire et en faire un peu pour montrer qu'il est facile, accessible et important d'agir. Ouais. Et qu'est-ce que font les élus là, face à ce dilemme là, à gérer des déchets qui ne... Ils sont comme nous les élus, ouais. Ils essayent, c'est toutes les communes autour qui sont responsables, tous les citoyens. C'est le résultat de un an de comportement de malveillance, de négligence. Il y a la charrette à échanger ? Ah ouais, là, la charrette. On va la remplir. Hein. On va la remplir. J'espère que vous avez passé un bon temps. L'objectif, c'est de ne pas se transformer en nettoyeur, mais on s'assimise par l'action, prendre du bon temps, se rendre utile pour l'environnement, elle en a besoin. Nous, on fait de l'action pour sensibiliser. Ça a double impact. Ouais, super.